Bonjour et bienvenue, on est de retour pour notre survie du week-end. Nous sommes près de l'aérodrome, donc notre but est d'aller à l'aérodrome et de finir ça. Utiliser le réseau de transmetteurs réparés pour chercher d'autres bunkers dans l'aérodrome abandonné. Donc ouais, on est parti pour ça. Point de vue physique, on est bon, on a perdu un tout petit peu de vie parce qu'on a un peu de tracé en fait dans le froid. C'était un peu nécessaire pour y aller. Maintenant, je suis en train de débattre avec moi-même. Je pense qu'on doit avoir une tempête, on va voir. Ouais. On a une petite tempête. On peut se cacher là. Ouais, on peut se cacher. On peut faire un feu. Je fais des tests, je sais pas. Bah du coup... Du coup on va attendre un peu, le temps que le blizzard se calme. Et tout simplement on va après partir. S'il faisait froid encore, seulement froid, ça passe. Mais là c'est quand même un blizzard, donc j'ai pas vraiment envie de me balader dans le blizzard. Le risque de se perdre et tout ça. Je sprint un peu exprès pour la fatiguer en fait. Ok. On rentre. Après, je peux coudre, hein, évidemment. Je peux coudre juste pour passer le temps ou casser des trucs. Ah, bah, ça fait du bien. 2 heures, qu'est-ce qu'on peut faire? 2 heures. Ça sert à rien. En train de réfléchir ce qu'on peut faire en fait pour passer le temps tout simplement. Il y a ça c'est à 63% la couche de base là isolante. J'ai un peu peur, je me demande est-ce qu'on devrait la réparer maintenant ou est-ce qu'elle va se casser si jamais on la laisse comme ça. Ça m'embête un peu. Je pense qu'on peut la laisser comme ça pendant un petit moment honnêtement. Ça. Je crois qu'on peut partir. Ok, nickel. Avant qu'on parte, on va faire ça parce que sinon je vais oublier. Et ça va utiliser directement le kit de couture en fait. Excusez-moi. Je bue un peu trop vite. Ok, on est bon. Tu veux voir un peu notre calorie? Non, ça va. Et nous sommes... parti. Parfait, il fait joli. Super beau temps en plus. Nickel. Nickel. Ok, on va tracer. Oh. On n'est pas seul. Tester.
Là, je crois qu'on l'a bien semé. Là, on a pris des cailloux et tout ça. Il a dû faire tout un détour et il nous a paumé. Ça marche. On est bon. Nickel, parfait. Bon, ben voilà, là, on a un beau temps. Ah, je suis pas allé regarder où est-ce qu'on m'avait dit pour la photo, là. Parce qu'avec un beau temps comme ça... Après, peut-être qu'on va avoir une aurore boréale, hein, aussi. Faudrait qu'on chasse un peu, qu'on ait un peu de calories de côté. Parce que je sais pas si vraiment j'avais laissé de la viande. Je crois, je suis quasiment certain qu'on a de la viande de côté. Mais je voudrais être sûr de ça. On va essayer de pas trop se fatiguer, parce que si on doit rester éveillé pendant la nuit, c'est important. Et je voudrais pas dormir, vous savez, des petits coups, genre d'une heure. Parce que sinon on va pas récupérer de vie, on n'est pas au max. Mais je pense que ça sera le seul moment où on aura un beau temps ici. Hein, parce qu'à chaque fois à l'aérodrome, on a toujours eu des temps vraiment pourris. Extrêmement fatigant en fait de se déplacer. Par contre, je voudrais bien trouver des oiseaux là. Je sais pas s'il y en a ici. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment. Donc ouais, on va voir. Sur le chemin, on va essayer de prendre quelques bâtons parce que... Si jamais on doit faire de l'eau ou du feu, de la nourriture... On prend des barbes de Jupiter ou pas? On a eu de gros combats hein, quand on était descendu au... Cric lugubre. Ouais. Avec les loups gris. On a eu des combats assez intenses. On a eu des... On a eu pas mal de rebondissements. Infection, saignement... Les vêtements qui se sont vraiment vraiment abîmés. Peut-être en prendre un cinquième. On a des loups aux alentours, hein. On vient de les entendre. Non. Je crois que c'est 3 hein, pour les préparer. Ah bon, on a déjà, ok, ça marche. On a le bruit du vent là. Très bizarre. Très bien. Et nous revoici à l'aérodrome. Aïe 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 aïe.
pensais vraiment ne jamais y retourner. Hein. Bon, on va inspecter les lieux vite fait. Donc nourriture, eau. Et après on va voir un peu ce qu'on a. Et au pire on va chasser directement pour passer le temps. Il fait pas trop froid. D'accord. On a que ça? Non, putain, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, toujours ce problème avec le sac de couchage, hein, qui a pas de couleur, hein, c'est bien, hein, ça change pas. On a combien d'allumettes? Ça c'est bien la fourrure de cerf parce que j'en ai besoin. Ouais, on peut faire des flèches. Un arc, du lou, du tissu, du cuir. Je vais survivre à combien ça fait ? On va déposer celui-là. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, on a du matos. Par contre, on n'a pas de nourriture. On n'a pas d'eau non plus, je crois. Mais ouais, on a du matos, ça va. On est d'accord qu'on peut toujours pas faire de feu, genre, à cet endroit-là, hein. Et là, ça serait l'endroit parfait pour faire du feu. Ouais. Je sais qu'on avait fait du feu à un endroit. Je crois que c'était là-bas. Ouais, je crois que c'était là. Ah oui, ce que je voulais voir, c'est s'il y avait... Non, il n'y avait pas de nourriture de ce côté-là. J'aime pas le fait qu'on soit ralenti à l'intérieur, là, comme ça. Batterie de voiture, ici aussi, ok. Batterie de voiture. I can barely walk with this much gear. On va la ranger, on va la rentrer, pardon. Donc on a une batterie de voiture ici, intéressant. Je vais être franc, je sais. Est-ce qu'on l'avait laissée? Est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'on l'a vue et qu'on n'a pas trop. On n'a pas trop dit grand chose sur la batterie? Je sais plus vraiment. On va la rentrer à. Ici. Et. Comme ça. Ah, le vent qui souffle. Ah voilà, oui, non, c'est ça, oui, il y a de la nourriture là de ce côté-là. Ouh, il y en a plein. Cuit. Ok, tout est cuit. C'est bien ce que je pensais, ce que j'ai tracé en fait, mais dans ma tête, je me dis, ah, il faut que je regarde l'autre côté aussi, si on n'a pas mis de la nourriture. Et du coup, en fait, j'ai tracé tête haute, j'ai pas regardé ce qu'il y avait en dessous.
I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Parfait. Alors, ouais, du coup c'est du 1000 calories. Ça c'est nickel. Par contre, l'eau, on a un problème, on est d'accord. L'eau, j'ai pas. L'eau, j'ai pas. Bon, du coup, c'est pas trop grave. Alors, attendez. Va dormir. On a le plus important, ce qui est les calories. Mais apparemment, on n'a pas de... On n'a pas d'aurore boréale. J'aurais pas dû dormir, en fait. Peut-être. Non, non, on n'a pas de lune. On a une belle lune, pas. Ouais, non, non, non. On a rien, on a rien. On a une belle lune. Très beau ciel. Ouais, c'est celle-là que je voulais faire. Bon, je peux pas dessiner parce que voilà, c'est la nuit. On va aller chasser. Ou alors récupérer du bois plutôt, non? C'est quoi qu'on a? J'en sais rien en fait. Je vais être honnête, je sais pas vraiment ce qu'on peut faire pour passer le temps. Je dirais pas non pour faire du feu en fait. Oh wow, ok. Ok. Ouais, je dirais pas non pour passer, pour faire du feu, comme ça on récupère un peu d'eau. Ça m'embêterait un peu de claquer une allumette pour ça, ça en a quoi, 8,60. Ouais, c'était là, je crois qu'on avait fait du feu ici. Parce que bah, c'est pas mal protégé en fait du vent. J'avoue que je sais pas trop quoi faire là. On n'a pas d'aurore boréale, rien. Il faut tout simplement attendre en fait, perdre du temps. Et perdre du temps pendant la nuit, c'est compliqué. Hein. Parce que je peux pas utiliser tout ce qui demande des outils, donc je peux pas casser des caisses, rien. Pas beaucoup de bois. Ouais, non, non, on a très peu de bois.
Ouais, faudrait qu'on aille récupérer du bois. Placer. Ah oui, non, placer. Voilà, ça nous fait un peu de bois. I'm not sure I can carry much more. Ça, on pourra faire du feu si on a besoin. 1-12. J'ai vraiment pas d'eau. Sure getting cold. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est... Je sais pas trop. Se balader, essayer de trouver l'endroit là pour la photographie là, à la limite. Mais ouais, faut qu'on fasse du feu de toute façon. Qu'on fasse plein d'eau en fait. Ah oui, sur moi, j'ai juste ça, j'ai juste une poêle à frire, donc bon, c'est pas le plus efficace on va dire, mais bon, voilà. J'ai une poêle à frire, quoi. Tempête. Ça m'embête, je voudrais bien une aurore boréale. Si jamais il n'y en a pas d'autres la prochaine nuit, peut-être qu'on fera une ellipse pour éviter ça, pour éviter de perdre trop de temps en fait. Potentiellement. Parce que j'ai pas trop envie d'attendre en fait. En faisant rien comme ça. Du coup, le problème, c'est que je peux rien, strictement rien faire. En fait. La seule chose que je peux faire, c'est un feu. Mais dans un sens, j'ai pas vraiment envie d'utiliser une allumette. Mais ouais, ce qu'on peut faire, c'est un feu et faire de l'eau. Et le problème, c'est faire un feu ici, c'est relou. Parce que je peux pas faire du feu ici. Le seul moyen de faire un feu, c'est en bas ou je crois qu'il n'y a même pas de truc en fait, je sais même plus. Oh! Yes, une patate. Bon, on a bien fait de descendre. Et donc, là, il peut avoir un sac à patates. Oui, on peut faire on peut faire un feu là. Bon, les fantômes, arrêtez de fermer les portes là. Oh mon dieu. Non, c'est bon, on arrivera. On peut faire un feu. On peut faire un feu en dessous du coup. Il n'y a qu'un seul emplacement, donc ça c'est pas très grave parce que nous on a qu'une seule poêle à frire là. On n'a même pas de boîte.
de conserve en fait. J'ai pas pris de conserve supplémentaire. J'avoue que c'est peut-être pas vraiment très malin. Mais... Bah ouais, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. De toute façon, il va nous pas falloir qu'on fasse de l'eau. Donc après, de l'eau en intérieur, enfin d'un fin en intérieur, c'est pas le top. Hein. Moi, je préfère le faire en extérieur. Ça dure plus longtemps. Vous avez besoin de moins de bois. Évidemment, on est une tempête, donc ça va être un peu relou de faire du feu en extérieur. Il n'y a aucun endroit que j'ai remarqué qui pourrait être vraiment protégé en fait du vent. Et ça, c'est vraiment embêtant, quoi. C'est vraiment un gros problème. Je peux faire un feu là-dessus. Enfin, on peut le faire dans le coin, mais bon, si jamais le vent tourne, c'est mort, quoi. On perd tout. Bon, il va bientôt faire jour. On va pouvoir perdre du temps à faire des trucs à l'extérieur. Gotta warm up somehow. Je crois que ça s'est un peu calmé. Ok, maintenant on peut casser des trucs. Voyons voir s'il y a toujours une tempête. Blizzard. Toujours. Vous voyez là, le vent il a changé là. Maintenant c'est comme ça. Là. Ça s'ouvre vers là-bas. Donc ouais, notre feu aurait été soufflé. Bon, c'est l'heure de perdre du temps à l'intérieur. Hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Ah, c'est pas le plus fun, hein, c'est sûr. C'est vraiment pas le plus fun. Sérieux. J'allais dire, si jamais il fait bon, on peut aller chasser. Et si jamais il fait genre lumière et tout ça, lumineux, on peut peut-être utiliser la loupe. Bon, au final, on est toujours bloqué à l'intérieur. Ah, ce qu'on peut faire à la limite, c'est utiliser les pots de serre là qu'on a. On a très peu de boyaux par contre. Je crois qu'on a encore le temps. Je crois qu'on a encore le temps niveau raccommodage. Hein. C'est pas maintenant qu'on aura niveau 5.
Je vais essayer de la fatiguer un peu pour récupérer la vie là. Je voudrais dormir en fait en après-midi jusqu'à la tombée de la nuit. Comme ça, peut-être pendant la nuit, on aura l'aurore boréale. Ah là là, t'es sérieux là? Oh, ça devient absurde là. Ça devient un tout petit peu bête. Je sais qu'en théorie j'ai tout fouillé, hein, mais bon. Vous savez, on sait jamais. Ah, j'avais pas vu ça. What the fuck? J'avais jamais vu ce truc là, ce saut là. D'accord. Très bizarre. Ça va me stresser de voir un saut comme ça glisser. Genre, qui a pu avoir l'idée d'accrocher un saut à une chaîne, quoi? Ça n'a aucun sens. Ça a strictement... Oh, 4. Aucun sens. Vu que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait le tour, hein, je me dis, c'est jamais quoi. J'essaye de penser à prendre un peu plus de tissu où je vais à chaque fois. Usée nautique, cool. Elle était complètement noire. Nautique, c'est pas mal ça. Parfait. Ouais, c'est bon, on arrive à la fin de notre rôle. Vous voyez Oh! Un gruau aux fruits et au sirop, très apprécié par les pilotes après un long vol. Gruau aérodynamique. Gruau aérodynamique, c'est quoi ça? Ah, c'est celui-là. Ouais, le truc qu'on fera jamais. État maximum. Ouais, enfin... Ouais, peut-être. On l'avait celui-là ou pas? Normalement, en théorie, oui, on l'a. On devrait l'avoir. Ça ne dit rien.
Ça aussi, on aurait pu partir à la découverte des recettes. Hein. Ça, c'est un truc qu'ils ont un peu gâché. Hein. J'aurais bien voulu partir à la découverte des recettes. J'avais fait un peu un plan comme ça. Mais quand j'ai vu que genre deux d'affilée n'apparaissaient pas pour moi, c'est là que bon, on a fait notre choix. Hein. Au lieu d'éviter d'attendre genre 3 semaines hein, avant qu'ils corrigent le problème, évidemment. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Faut qu'on fasse de l'eau. On va voir dehors un peu s'il fait jour ou pas. Pas s'il fait soleil. On n'est pas extrêmement fatigué. Je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaye de se fatiguer un peu plus pour histoire de dormir ou pas? C'est ça ma question en fait. Oh waouh, t'es sans déconner? Sans déconner. Sérieux. En plus, on n'entend rien depuis l'intérieur, c'est chiant. On va tellement rester en intérieur qu'on va avoir le mal de l'enfermement. C'est trop bien, quoi. Là aussi. x5. Waouh. Ok. J'avoue que ici ils ont un peu pété un câble. Niveau tissu, ils ont un peu pété un câble. Un gros câble même. Bon. Allons faire de l'eau. On fait de l'eau en intérieur ou en extérieur? Est-ce qu'on peut toujours prendre le risque d'en faire en intérieur, en extérieur, pardon. Mais si ça se fait directement souffler, c'est un peu nul. Désolé, des fois il y a des épisodes comme ça où c'est super lent, genre il se passe pas grand chose. Mais comme j'ai dit, j'attends surtout la nuit là. Voilà, et ça. Très bien, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Là on a du bois. Ah oui. Ça techniquement on n'a pas besoin. Parfait. Ok, très bien. On fait encore un petit tour dehors, histoire de voir ce qui se passe. Et après on fera un feu. Ok.
quoi, je peux faire un feu là. Hein. Allez. Si je perds une allumette, je vais m'énerver. Pas grave. Si c'est grave. On n'a rien d'autre en fait. Ça, c'est vrai que c'est peut-être une bêtise en fait de pas avoir de conserve en plus. Bah, le problème, c'est que c'est lourd en fait. Évidemment, hein, c'est toujours le problème du poids. Hein. C'est toujours le même problème, hein, c'est le poids. Donc, bon, je peux pas faire. Pas faire autrement vraiment. Le problème c'est qu'on peut pas rester vraiment pour regarder l'os non plus. Ah non, il y a pas de conserve ici. Ah si. Si. J'étais un peu étonné qu'on ait pas de conserve en fait dans les environs. Je l'avoue. J'avoue que j'étais légèrement étonné. Attendez, peut-être que le feu est bon. En fait, il faudrait que je rajoute du bois pour que ça soit plus chaud. Mais je vais être honnête, je suis pas très fan de gaspiller du bois, en fait. Quitter véhicule. Ok, d'accord, si tu veux. On est allé de ce côté ? Visiter de... Enfin, revisiter. Je suis pas sûr. Je me rappelle, une personne m'avait demandé... Ah, où est-ce que tu te mets à l'aérodrome, ici? Pour, genre, camper. Où est-ce que tu campes à l'aérodrome? Et la réponse, c'est j'aime pas. Là. Ah, j'avais expliqué que le fait que on peut pas vraiment bien se placer à l'aérodrome, c'est compliqué, on peut pas faire de feu en intérieur, on peut pas faire de feu sous les emplacements où il y a les avions et tout ça, là. Ils sont protégés, on peut pas faire de feu là, c'est très galère. Donc ouais, le seul bon endroit, je dirais, ce serait la maison, je crois. Mais la maison qui est à l'autre bout de l'étendue de glace, en fait. Peut-être rester un peu dehors. Oh, wow, mauvaise touche. Oh, vache. C'était l'auto-walk, ça. Genre là, la cabane spirituelle. Non, pas la cabane spirituelle. C'est quoi la cabane spirituelle? Ah si, c'est en haut de la montagne, ok. Là, c'est pas mal. La maisonnette de l'île, c'est sympa. Il y a plein de bordel autour. Et là, il y a des loups, des cerfs. Il y avait un élan, même. Non, il y avait un élan. Ah, ici c'est pas mal. Et l'aéroport, c'est vraiment pas l'endroit le plus intéressant. Quoi. Ça, il faut qu'on trouve absolument. Bon après il faut pas beaucoup de feu hein, pour nous. Faut pas beaucoup de bois, rien du tout. Pour que ça dure très longtemps. Vu qu'on est niveau 5, honnêtement c'est tranquille. Ça c'est la bonne chose. Ah oui attendez, tiens on va faire ça.
Wow, 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 wow. Déteste. It's so cold. Ah, je te déteste, le vent. Je te déteste. J'avais dit, hein. J'avais dit que c'était un problème, le vent. Dites-moi, dites-moi où vous campez, en fait. Où vous faites un feu, ici. Où vous faites un feu. Mais un feu optimal, me dites pas, ouais, je le fais en intérieur, parce que bon, c'est pas vraiment le... Merde, attends, qu'est-ce que j'ai pris dans le... J'ai pris de l'eau. Me dites pas, bon, moi je le fais en intérieur, basta quoi. Dites-moi si vous trouvez un endroit où le feu en fait est protégé, parce que moi je trouve pas. Hein. Je trouve pas du tout. On est un peu. On va déposer ça. Bon, on est un peu fatigué, ce qui est très bien. C'est parti. Oh. Ah, enfin. Alors j'ai coupé un peu parce que honnêtement c'était genre 10 minutes de moi qui tournait en rond. Donc on a une aurore boréale. Ok, et on a enfin un signal. Oh là 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 là. J'ai eu un... Au passage j'ai eu un signal de cache qui était tout au fond là-bas. C'est quoi ça? Ah, c'est un feu que j'avais fait je crois pour les serres. Ouais ouais, il y avait des serres ici. Donc il y a une autre cache à faire, mais c'est trop loin, donc pour le moment on va pas le faire. Par contre je crois bien que j'ai accroché du coup le bunker qu'il nous faut. Donc du coup c'est pas très loin, je suis assez surpris, c'est pas très loin de l'aéroport. C'est cet endroit là en plus j'ai... Ouais non, j'ai... Ouais, j'ai campé pas mal de temps ici. Parce que là il y avait au moins 3 ou 4 serres en fait. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, à un moment je vais chasser ici. Donc ouais. Je pense que je vais couper honnêtement, parce que si c'est pour vous montrer... Déjà que l'épisode, il était un peu... On était un peu loin dans l'épisode. Donc si c'est pour vous montrer... Attends, c'est par là. C'est par où? C'est par là? Là? Ok. Si c'est pour vous montrer moi qui tourne en rond pendant 20 minutes en plus, c'est pas vraiment... Déjà que je m'ennuyais. Je m'ennuyais un peu déjà au début de l'épisode parce qu'on avait rien à faire, fallait juste attendre le soir là. C'est un peu relou. Comment? Droite, gauche. Ok. On a froid. Mais c'est méga loin. Ah, là, il y a rien. Ouais, non, merci. Fallait aussi que je me rappelle de ce que c'était, genre ça, la boîte, là. En fait, c'est un bunker. En gros, c'est le dessus d'un bunker. J'aime pas du tout ce logo, je le trouve un peu bête. Si vous savez pas ce que vous regardez, bah vous... du coup, vous savez pas trop ce que ça veut dire. Non. Attends. Oh, c'est en haut! Attends, je peux passer par là? Parce que là, c'est trop pentu, là. Si? Ah, peut-être que comme ça, là. Je sais pas si on était déjà allé à cet endroit. Attends. Je vais me péter une cheville. Vous allez voir. Pas de jumpscare, s'il vous plaît. Oh, merde, c'est trop... Voilà. Déjà, ça s'est fait. Attends, ça va, je suis nickel. Parce que si je dois courir... Je passe par là.
Faire gaffe hein, parce qu'il y a peut-être des loups. Hein. J'aime pas monter les plateaux comme ça. Non. Me dis pas qu'il faut monter. Oh, c'est ça? Yes. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, tu vas voir qu'il faut monter. Il faut faire tout un détour. Ok, let's go. Donc ça, ça serait le dernier. Le dernier bunker. On va voir ce qu'on va trouver. Je suis extrêmement prêt à être déçu. Nous allons fouiller le bunker Omega pour en savoir plus sur le projet du Rudiger. Okay. Bon, déjà on a chaud. C'est bon. Bon, ça nous a coûté une cheville. Ah oui, alors par contre j'ai pris à boire et à manger avant de partir. Enfin, à manger surtout, parce qu'à boire j'avais tout sur moi déjà. Ah, enfin, enfin on y arrive quoi. Prêt à être déçu. C'est triste de se dire ça, mais bon. Waouh, ok, ça a l'air un peu plus grand que d'habitude. On va faire d'abord ça. Ouais, on est un peu lourd. Table. Ah, du jambon en boîte. On peut le manger, même la boîte. Il faut s'habituer au goût, mais c'est sûr. Ok, cool. Si jamais on voit pas grand chose, je sors la lampe, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que là ça a l'air méga grand, j'ai pas vraiment envie de d'utiliser la lampe directe. Ah ouais, il y a plusieurs ça. Oh la vache, mais c'est méga grand. On fait tout. Wow, très cool. Bon déjà on n'est pas venu pour rien, c'est bien. Alors on va faire des coups lampes, des coups on l'éteint, parce que sinon... Ça fait mal ça ou pas? Boîtier de contrôle cassé en métal. Ah, c'est des craies. Ok, ok, ok. Ah, je suis super impatient là. Ah, ça doit être la zone de commande peut-être. Je suis super impatient et tout ça. Je me dis, ah, viens, on va trouver un truc spécial peut-être. Ça m'étonnerait. Je sais que le truc spécial, normalement, il est dans les autres difficultés. Mais du coup, je sais pas ce qu'on peut récupérer ici. S'il faut, on récupère rien. Hein. Bah, en fait, maintenant que j'y pense, s'il faut, on récupère rien de spécial. C'est juste des ressources, quoi. J'irai faire une pause et je regarderai si... quand on aura fini, je regarderai quand même s'il y a un truc spécial. Oh. Whatever happened here, it's not a virus or any known pathogen. At least that's what the doctor tells me. There are no visible injuries, only invisible ones. My symptoms have just started, but they track what the others have gone through. Things are starting to get fuzzy, just like with them. Faces I can't remember. Like an old photo.
blurry around the edges. Crumbling. The few men left up here can't be trusted to care for themselves. We've had to lock them in their quarters to keep them from wandering off. We tried going a different way, more psychological. We had a little luck at first, and then it all collapsed again. Rüdiger hasn't been back to see us since we took the machine offline. I'm struggling myself, and holding out for the resupply he promised. Will it get here in time? I've changed, somehow. The men, the medical officer, all of us. But not him. Not Rüdiger. He'll want the research. It shows some bizarre benefits, even if it's come at a price. Rüdiger found what he was looking for. He can keep it. Ooh. Sympathique. Sympathique. Allez, allume la lampe. Je veux voir le reste. Ok, on a des boîtes. Ça, c'est bien, ça. Rüdiger. Oh mon dieu, mais c'est ultra méga grand. Oh, oh vache. Ok, je pensais pas que ça allait être aussi grand. Bah c'est cool, hein, tant mieux. Hein. Je vais pas me plaindre que c'est grand, hein, je suis juste impressionné. Hein. Ah c'est un établi cool. Je vais travailler ici si vous voulez. Ah ah. Entry 17, Project Medical Officer. We have attempted various psychological interventions with the team members. Interviews reveal that the deeper the recall exercise, the greater the distortion. Consolidation failures appear in each patient, no matter the subject content. So far, these have yielded little actionable data. We do, however, hold out hope for a treatment strategy to apply away from their work environment. Proximity to the site of exposure is my last best guess. Behavioral changes are becoming more alarming. I will be including the following transcript excerpt in my summary report to be filed with project leads before team extraction, should it occur. We're almost finished. Please stay calm. Where has your mind settled then? Focus on the last image, please. We just wanted to get out. To burn it all down. Or did we? I had it there. But I lost it again. I can't remember what it was. He said he'd stand with us if something went wrong. What did we do? What did they make us do? They can't get away with this. End recording. Okay. Un signe reçu. Signal du vide. Okay. Yay. Attendez, on va mettre pause, c'est ça. C'est pas exploit, défi. Ouais, c'est ça. Vous avez terminé signal du vide. Ok. Bon bah du coup, ça nous explique pas trop ce qu'ils ont fait, quoi. Ça nous explique pas des masses hein, sur ce qu'ils ont fait. Expérience sur les gens.
Je me suis perdu. Je sais même pas par où on rentre. Ah, c'est ce que j'étais là-bas, je crois. On prend tout. Hein. On fera le tri après. J'imagine que ça doit être bourré de trucs normalement, mais pour nous, pas grand chose. Ok, ça c'est les machines. Ah, c'est l'entrée, ça, ok. Merde, on a fait déjà le tour. Ah non, on a fait le tour. Ok, cool. On continue nos recherches. Ah, ça met du temps à tout fouiller. C'est cool. C'est sympa. De couture, je regarde vite. Ah non, il y a rien. Après, on fait. D'abord, je le fais comme ça, sans lumière, puis après, on allume la lumière vite fait et on refait un tour. Je suis en train de me dire là, le rideau là. Oh, cagoule technique. Yeah, let's go! Elle est plus solide et plus efficace contre le vent et l'eau qu'une cagoule ordinaire. Okay. Ça, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de détruire le rideau, en fait? Pour voir ce qu'il y a derrière. Quoi? Ah oui, il y a un livre! Ok, d'accord. Bon, attends. D'abord, on va finir de fouiller ça. Bon, on a bien fait. On a bien fait. C'est bête qu'on puisse pas interagir avec les choses sans les détruire. Oh, il y a en haut aussi, j'avais pas vu. J'avais pas vu. On va regarder à la fin la cagoule technique si c'est vraiment bien. J'espère que c'est mieux que ce qu'on a, mais j'ai peur que... Je veux pas être pessimiste, hein, mais je pense pas que ce soit mieux que le bonnet. Cet emblème. Je vais même pas prendre le dos. On a fait le tour. Bon, on a fait le tour, on va rester là. Donc,
Résultat des courses. Résultat des courses. Eh ben, c'est pas... Bon, 3 boîtes de maïs. Ouais, sympa. Bon, tout est à 0% évidemment pour nous, parce que voilà. On a eu ça, jambon en boîte, 550 de calories, c'est pas mal, c'est la première fois qu'on a ça. Ça aussi, c'est bien. On a eu des câbles, on a eu des fusibles, on a eu un livre qui nous sert à rien. Un peu de métal. Donc on a eu ça. Elle est plus solide et plus efficace contre le vent et l'eau qu'une cagoule ordinaire. Alors, fais voir. Ah! Non, ça va aller mieux. Ok. Ouais, on a de 2, on passe à 5. Elle est aussi plus légère. Elle protège de 20% de plus que l'eau. Et elle a 1 degré de plus. Pour le vent. Ah, mais pour le... Ouais, non, pour la chaleur, c'est pareil. Je suis en train de me dire que ça, en fait, ça protège pas des masses. Hein. Enfin, c'est pareil qu'une... C'est pas énorme. Hein. Je pense que c'est lourd. Hein. Mais bon, ça protège du vent, quoi. Bon. On a notre cagoule. Comment on la répare ? Préparer juste un tissu. Je pourrais faire attention à la cagoule. Tout à cagoule. Oh mon dieu, je suis vieux. Je sais. Je regardais le morning live, ok. Je regardais comme tout le monde de mon âge. C'était bien le morning live. Merde. Bref. Bah du coup, on gagne pas vraiment en chaleur en fait. On gagne juste, ouais, étanchéité, le vent. Bon, le vent, oui, c'est bien. Qu'est-ce que je... Bah ouais, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi. Bah c'est... Voilà. Bah je m'attendais pas non plus à un truc super énorme, mais je m'attendais quand même à peut-être un tout petit peu mieux. Bon, on a un objet, je crois, qui est unique pour nous, c'est la cagoule. Je crois que c'est unique. Vous pouvez me confirmer ça, mais je pense que c'est unique pour nous. Donc ce qui est bien. Après, je sais que si on joue pas en intrus... qu'on a à la place, c'est donc c'est un austère. Waouh, on a tout enlevé. C'est pour maintenir en fait votre genre ranger votre arme, et c'est pour les fusils en fait. Et en gros, le fait d'avoir l'austère là, ça, je crois que ça baisse le poids de votre fusil. Évidemment, nous on n'a pas de fusil, on est en intrus. Évidemment, encore une fois, Interland ont très très mal fait leur bordel. Vu que à la base, ils voulaient pas mettre l'histoire en fait, la Tales, ils voulaient pas la mettre en mode intrus, donc du coup ils ont dû faire des choses, mais bon, quand même ils auraient pu mettre quelque chose d'autre, ils auraient pu développer quelque chose pour le mode intrus, quoi. Ou alors plus d'objets. Bon, on a récupéré des allumettes aussi, c'est pas mal. Ouais, je m'attendais, c'est marrant parce que je m'attendais pas à beaucoup. Mais je suis quand même un peu déçu. Bizarre, hein. Mais bon. Le problème, en fait, ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien voulu que la cagoule, en fait, change notre chaleur. Mais au final, ça va pas changer notre chaleur. Le fait, bah, ça protège un peu plus, mais basta, quoi. C'est tout. Ouais, je... Bah, voilà. Bah, c'est tout. Bon, en tout cas, on a fini ça. On va s'arrêter là en tout cas, parce que sinon ça va prendre trop de temps, parce que je crois que déjà je dois dépasser l'heure. Je ferai un petit tour encore une fois si jamais j'ai pas oublié des trucs, mais finalement non. Ouais, on va s'arrêter là, on va dormir. Et pour la prochaine fois du coup... je sais pas. J'avoue que je sais pas. On va peut-être... Donc comme j'ai dit, je pense que ce qu'on va faire, notre prochaine mission... Si vous l'acceptez, ce sera ça. Attendez, je ne sais plus exactement. Transmetteur. Ouais, c'est celui-là. Celui-là, il n'est pas découvert encore. Mais c'est celui-là qu'il nous faut. Transmetteur couvre la région du site de désolation et de l'autoroute côtière. Donc, c'est le site de désolation. Donc, il est là.
C'est celui-là, il est là en rouge. Donc ouais, c'est celui-là. Donc je pense qu'on va faire ça. Alors après, le prochain épisode, est-ce qu'on reprend ici? Ou alors est-ce qu'on reprend quand on sera genre au lac Mystère pour refaire une aventure? Je sais pas trop, je vais me décider ça. C'est vrai qu'ici, je voudrais bien... Je voudrais bien faire ça, là. Ce Polaroid, là. En plus, nous, on est quoi? On est vers là, je crois. Ah, il doit avoir le taudis du Justy, là, pas loin. Ah, enfin, attendez, je sais pas si... Il est où, l'aéroport? L'aéroport, il est là. Ah oui, on doit pas être loin de ça, en fait. Ok. Bon, on fera le tour. Je vais me décider ce qu'on va faire pour la prochaine fois. Bon, ben voilà, c'est bien, une chose de faite. Je suis assez content de l'avoir trouvé pour cet épisode. J'avais peur que ça prenne un peu trop de temps. C'est pas énorme ce qu'on a récupéré, mais on prendra tout et on amènera tout à la maison. Allez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. Et on n'a pas vraiment élucidé l'histoire de ce qui se passait. Si vous avez un peu mieux compris l'histoire, je sais qu'apparemment, Rudiger, il faisait des expériences sur les gens par rapport à leurs souvenirs et tout ça. Et apparemment, ils avaient des aptitudes en fait qui se développaient par rapport à ça. Mais voilà, j'ai pas plus d'informations que ça, ou alors j'ai peut-être pas trop fait attention. Ouh. Okay. Ou alors j'ai peut-être pas fait trop attention, mais voilà. Allez, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.